Oh, le FN, le carton aux européennes. Premier parti de France. Ah voilà, ça fait 3 ans que ça... Mais c'est pourquoi 3 ans? Non. Depuis que Marine Le Pen a été élue présidente du Front National au congrès de Tours, devant Bruno Kollnisch. Ah oui, c'est là qu'elle a changé profondément l'image du FN et de ses adhérents. Ah oui, et puis alors depuis, paf. Ah ouais, je me vois dans la glace. Ah oui, mais paf. La victoire de Marine Le Pen sur Bruno Kollnisch n'est pas due au hasard. Sa stratégie, atténuer à tout prix l'image sulfureuse du Front National, en amenant ses plus fidèles militants à modifier leurs idées et même leur look. Messieurs, de qui s'agit-il? Ouais, c'est la fille à Le Pen. Non, c'est Marine, la 67e femme la plus sexy du monde, devant Cécile de Minibus et après Anne Sinclair. Marine, l'hideuse du Front National. Il faut savoir, elle est hideuse ou elle est sexy? C'est la bosse du Front. Elle a une bosse au front. C'est Kollnisch qui l'a frappé en tuant. Non, c'est la chef du FN. Quoi? Le FN, le Front National, le parti le plus sexy de France. Est-ce que vous faites partie du FN? Ouais. Ne faites pas ça. Cool fashion attitude, Ouais. Et franchement, les mecs, elle est pas sexy, Marine? Hein? Ouais. Elle est pas... Ah, sexy burger. Alors, il faut qu'on soit aussi sexy qu'elle. Parce que là, la coiffure, c'est pas possible. Bah non, on n'a pas de cheveux, c'est pas possible. Non, je veux dire, les crânes rasés, c'est pas possible. Ça fait peur aux gens. On peut pas gagner avec ça. Eh, mais on est des skins. On est des skins. Mais on peut être des skins sans être des skinheads. Hein? Fini les clichés et les caricatures. Fini les skinheads. Place aux nouveaux supporters de Marine Le Pen, les skinas. Quelques jours avant le congrès, direction Tours, au siège de l'UNEF, principal organisateur d'une manifestation contre l'extrême droite, que les skinas entendent bien détourner à leur profit. Bonjour. Bonjour. On voulait vous parler à propos de la manif de vendredi. Merci. Ouais. Vous êtes la responsable UNEF sur la fac? Oui, c'est ça. On voulait vous aider, en fait, parce que nous, ça, voilà, on pense qu'il y aura certaines personnes, évidemment, indésirables sur cette ville tout le long du week-end. Les mecs, les vieux fachos, Kollnisch, tout ça, nous aussi, on n'en veut plus. Mmh. Et s'il y a moyen, en effet, de rejoindre le cortège. On a eu des petites idées, c'est assez rigolo. Les Bruno, ça fait chier, c'est toujours... Enfin, ça peut être sympa, oui, parce que c'est vrai que Kollnisch, c'est l'extrême droite dont on ne veut plus, quoi. Après, Marine Le Pen n'est pas beaucoup mieux. Enfin, ouais, mais justement, l'assimilation entre les deux, elle est dangereuse. Et c'est vrai que c'est important pour nous, dans le cortège, que vous ne fassiez pas un amalgame entre les deux. Parce que là. Parce qu'il y a le FN et il y a le nouveau FN. Il y a le FUN. Le FUN. Le principe d'une manif commune, UNEF-FUN, ça c'est quelque chose d'envisageable. Enfin, je veux dire, si samedi on manifeste ensemble contre Bruno Kollnisch, déjà on a un combat commun. On avance. C'est pas contre Kollnisch, c'est pas contre la Marine Le Pen. Vous êtes pour Kollnisch? Non plus, c'est contre toute l'extrême droite en elle-même. Mais Marine, ouais, c'est différent, c'est autre chose. Moi, je suis pas convaincue. Que je pense que, justement, elle fait style, mais que derrière, elle a les mêmes idées. Mais non, elle est sexy, ouais, elle est sexy burger, Marine. Sexy. Elle est charnelle, elle est généreuse. Ouais. Bon, elle tient quand même aussi des propos. Cette pratique. Non, enfin, faut être open. Faites ce que vous voulez, mais l'UNEF sera contre l'extrême droite, que ce soit Kollnisch ou Marine Le Pen. Mais arrêtez, vous avez peur de quoi? D'une déferlante de crâne rasé? Mais non, mais c'est plus ça. C'est fini, c'est terminé. Maintenant, nous on est des skinas. Ouais, on est des skinas. On est des skinas. C'est-à-dire un côté beaucoup plus sexy, c'est-à-dire au lieu de découvrir la tête, découvre les fesses, tu vois. Et on n'a pas peur de notre sexy attitude. C'est fun, c'est plus FN. Mais vous faites ce que vous voulez. J'ai une position. Votre position. Soyez un peu plus sexy burger, mademoiselle. C'est un danger. Vous avez la tête dure, hein. Mais vous inquiétez pas, parce que nous, on n'a pas la fesse molle. Certains de leur victoire, les skinas préparent activement la grande fête de dimanche soir à Tours, en recrutant aux abords des lycées. Il y a un dimanche, c'est la Marine Night, c'est la fête de Marine. On fait ça à l'Excalibur, c'est gratuit. Dimanche soir, on fait la fête avec Marine. Eh mec, tu veux faire la fête ou pas dimanche soir? Dimanche soir, Marie Night. Bonne teuf, Laurent Charnier, tous les tubes, David Guetta, enfin tu vois, ça va envoyer, ça va mixer du gros son, quoi. Il y aura DJ Adolphe, vous connaissez DJ Adolphe? Son tube tous les soirs. Tous les soirs, avec les copains, casser du négro, gazer du youpin, tu connais ou pas? Dimanche, il y a... Eh, si t'es pas content, c'est bon. Eh vas-y, c'est bon, tu veux pas faire la fête, tu te casses, ok? T'aimes pas ton pays?
Dimanche soir à l'Excalibur, il y aura vodka pitbull à volonté. Hein, c'est de la vodka avec un peu de boisson, c'est des couilles de chien broyées, des couilles de pitbull. Sans déconner, ça va cogoter quoi. On va y aller à donf. Il y aura peut-être un striptease de Marine parce qu'elle est assez sexy burger, tu vois. Et vive Marine, hein, salut les gars. Terminé Skinhead, hein, maintenant c'est les Skinas, hein, ok. Mais pour que la fête soit totalement réussie, il leur faut bien sûr le soutien et la protection de la police. Ah, ça peut vous parler de oui, deux bien minutes sûr, bien sûr. Bah, excusez-moi. Okay. On fait une fête ce week-end à Tours. Mm-hmm. Et bon, comme toutes les fêtes, bon, bah, ça va être sympa, il y aura peut-être un peu de bruit, mais on voulait vous prévenir parce que, justement pour vous éviter de vous déplacer, parce que franchement, ça ne sera pas forcément quelque chose de très méchant, ça sera plutôt sympathique ouais, et tout. C'est dans quel cas, c'est un anniversaire, c'est quoi c'est... Bah, c'est pour le congrès en fait, ouais. du FN, c'est pour la victoire de Marine. Vous êtes pro au fond national. Ouais, pro. Ouais, ouais, on est pro-Marine. On est anti-Golniche, anti- hein, anti- que les choses soient claires. Oui, d'accord, d'accord. Non, mais moi, ouais. je m'en fous. C'est... D'accord, ouais, bien. Nous, ce qu'on veut vous expliquer, c'est que quand on va faire la fête dimanche, parce qu'on va célébrer la victoire, bien sûr, bien ça sûr. Va boire des bières, ah, oui. bien sûr, il y aura des chants, il y aura des M. Maréchal, nous voilà, il y aura des Islam assassins, mais pour déconner, bien sûr, on va jouer à la burqa, vous savez ce que c'est. Il y a un pote à nous, on lui ouais, met du PQ autour de la gueule, puis on lui met des claques. Mais c'est pas méchant. Mais c'est bon enfant, hein. on va un peu pogoter. Ouais. Si tu es juif, si tu es radin, tu sais qu'il existe au sud de Berlin, un camp magique appelé Auschwitz. Mais sympa. Sympa, ouais, je dirais. Ouais, sur sympa. Le fond, votre festivité. Ouais, c'est ça, ouais. c'est cool. Moi, j'ai rien compris. Et on rigole. On a l'esprit de votre fête. Ouais, c'est sympa. Voilà, c'est festif. C'est festif. Ouais, festif, mais le problème, c'est que dans la ville, là, c'est un week-end, vous n'allez pas être tout seul. Comme on a l'extrême gauche à Tours. Ouais. Il y a des anti-tout. Ouais, les anti-tout, c'est les pires. Ils n'ont pas d'humour. Et ils ne voient pas la différence entre une ratonnade et une ratonnade. Ouais. Déjà, ouais, c'est ouais, pareil. Quoi. Ouais, c'est déjà, pas... et puis ils vont casser le cul, hein. C'est sûr. Vous soyez les plus mignons du FN, ils n'ont rien à foutre. Ah, c'est vraiment des trous de balles, quoi. Voilà. C'est des connards, quoi. Ouais. Non, mais nous, on n'est pas. Nous, on a un dress. Justement, nous, on s'est démarqué des skins, ouais, etc. Ouais. Avec un dress code complètement différent. Non, ça, nous, on n'est pas des skinheads. Nous, on est des skinas. On a un, nous, on a un dress code différent. Justement, on quand ils nous voient, ils peuvent pas dire c'est des skinheads. Ouais, ouais, là, vous seriez combien là. On sera 400, ça fait 800 paires de fesses. 400 boulards, ouais. Alors, qui gère un petit peu le truc? C'est moi. C'est vous. Donc, brièvement. Pas vous empêcher de faire la fête. Bah, c'est bien, c'est ça qui est important. Voilà, ça c'est bien. Qu'on soit vigilant, voilà. Il faudrait qu'on échange de coordonnées. Ouais, ouais. De bon. Façon à ce qu'il y ait un échange, si des fois ça tourne un peu en jus de boulin, du style je vous appelle, je vous dis restez en retrait 5 minutes, on s'occupe des autres. D'accord, faites les éclaireurs, on vient derrière. Voilà, donc, voilà c'est ça, je puisse quand même. Ouais, bien sûr. Bien sûr. D'accord. Bon, allez, merci de nous avoir mis votre fut. Ouais, on remet. Et moi je vous le dis, ça va être chaud, ça va sentir le cul là-bas. Merci beaucoup, monsieur. Les Skinas et Marine Le Pen, le début d'une grande histoire d'amour. Marine ! Marine ! Marine ! Présidente ! Marine ! Présidente ! Marine ! Présidente ! Marine, on va gagner à Tours. On est avec toi ! Hey, les Skinas ! Marine ! Marine ! Et t'as du cul de nous avoir ! T'as du cul de nous avoir, Marine ! On est les Skinas, on est avec toi ! Skinas ! Skinas ! Skinas ! Marine ! Marine ! Elle est encore plus sexy en vrai, quoi. Ah, elle est trop sexy, Burger. Abonne-toi, viens. Abonne-toi. Mais abonnez-vous. Abonne-toi, déconne pas. Bon, allez, abonne-toi.